C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo. Même si c'est je suis bit, c'est sûr que ça va me faire tout plein de flébites. Hey, hey, regarde ça, man, wow. Les nuages, ils bougent. Hey, hey, check la fumée, c'est pété. Aïe, c'est rendu évolué au bout. C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo. Bonsoir tous les gamers, alors ça... Hey! Mes cheveux... Oh, c'est pas trop grave. Enfin bref, cette semaine, un review thématique très spécial sur les jeux de lutte non professionnels. Et qu'est-ce que je veux dire par non professionnel? Eh bien, c'est des fédérations non existantes ou complètement fictives. Alors les jeux que je vais faire le review, ce sera... Le bon vieux Pro Wrestling... Muscle comme la vieille série japonaise... Tag Team Wrestling et finalement Tecmo Web Wrestling. Alors, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, Pro Wrestling, le premier jeu de lutte à être sorti sur la console Nintendo. Voyons un peu ce que ça donne. Vous arrivez donc à l'écran de sélection des personnages et ça semble vraiment très banal. Mais quand vous avez écouté l'intro complet, eh bien vous avez vu que chaque personnage a une description personnelle. Vous pouvez donc voir leur nom, leur origine, leur taille, leur peau ou encore même leur spécialité, donc une prise que personne d'autre ne peut faire. Et personnellement, je dois avouer que j'aime beaucoup le choix des personnages. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment très bien faits, très bien pensés et très originaux. Comme ici, on a l'Amazone, un monstre des marais qui se bat en mordant les gens. C'est vraiment très original et très fou. Mais mon préféré s'arrête sur le coréen King Kong Karn. Pour quelle raison? Eh bien, c'est celui que j'aime le plus manier. Alors, votre match débute et il y a beaucoup de détails très intéressants. Vous avez un arbitre, vous avez un caméraman et vous avez une foule quand même assez bien animée. Graphiquement, c'est pas parfait, le ring a une couleur très peu attrayante, mais tout de même, les personnages ont une bonne animation. Il faut l'avouer, pour un premier jeu de lutte sur Nintendo, les graphiques sont vraiment très bien. Au niveau du contrôle des personnages et du gameplay, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très simple de contrôler son personnage et d'effectuer les nombreuses prises. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque personnage a une spécialité, donc une technique que personne d'autre ne peut faire. Des scoop slams, des backbreakers, des brainbusters, des suplexes, bref, vous avez un arsenal tellement grand. Ou même encore, vous pouvez faire des attaques de haut de votre tige, comme des crossbody en bas du ring, ça c'est vraiment unique. Quand je pense à tous les jeux de lutte professionnels comme WWF WrestleMania, qui ne permettaient pas de faire des trucs comme ça, ça fait vraiment pitié. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez aucune barre de vie. Au début, je pensais que ça allait être un très gros problème, mais en fin de compte, ça donne des fins de match vraiment très enlevantes. De cette façon, vous savez jamais si vous allez vous relever du décompte de l'arbitre ou encore si vous allez clouer vraiment votre adversaire au sol. Ça donne vraiment un gros côté stratégique. En même temps, vous devez vaincre tous les adversaires du jeu pour monter au classement et quand vous avez réussi, eh bien vous avez une chance au titre de la VWA. Et qu'est-ce que ça veut dire VWA? Eh bien, je suis pas trop certain de celle-là. Peut-être Virtual Wrestling Association, je suis pas certain là-dessus. Et quand vous avez gagné le titre, eh bien, il suffit juste de le défendre. En général, c'est un excellent jeu de lutte que je recommande à n'importe quel fan de jeux de lutte rétro. Hey, pour l'instant, ça va vraiment très bien. Le premier jeu, c'est vraiment très bien. Alors maintenant, enchaînons avec Muscle. Voyons si c'est aussi bon. Pour ceux qui ne savent pas très bien c'est quoi Muscle, eh bien ça a été une série japonaise nommée Kinnikuman et ça a vraiment très bien marché. Le personnage principal était Kinnikuman ou pour les français Monsieur Muscleman qui devait lutter pour sauver le monde et il y a d'ailleurs eu aussi une série avec son fils Kid Muscle qui s'appelait Ultimate Muscle. Ça a moins bien marché mais c'était quand même apprécié par les gens. Il y a eu beaucoup de jeux sur GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, tous très bons. Tous avec un excellent gameplay, ça semble vraiment une combinaison gagnante pour faire un excellent jeu, mais voyons la version NES. Donc, Muscle fait par Bandai, est-ce que le jeu est à la hauteur de la série? C'est ce qu'on va voir. Vous arrivez donc à l'écran de sélection des personnages qui est vraiment, mais vraiment très laid, très peu détaillé et très peu coloré. Si on commence d'en haut et en continuant vers la droite, les personnages sont Kinnikuman, Terryman, Ramen Man, Robin Mask, Buffalo Man, Warsman, Geronimo et Ushuraman.
Une petite parenthèse, dans la version américaine du jeu, le personnage de Geronimo remplace le personnage de Broken Jr. dans la version japonaise. Et pourquoi? Parce que Broken Jr. c'était un personnage nazi et les Américains aimaient pas trop ça. D'ailleurs, sa prise de finition était de jeter du poison dans la figure de son adversaire. Une tactique très nazie selon les Américains. Donc, vous choisissez deux personnages parce que oui, ce sont des matchs tag team. Et mettez un saut pas trop loin parce que je crois que vous allez vomir dedans. Graphiquement, ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer, c'est totalement laid. Aucune texture, aucune forme intéressante. Les bonhommes, on dirait des méga blocs comme dans Rick et Steve. Rien de très beau là-dedans. En plus d'être moche, tous les personnages se contrôlent de la même façon et ils possèdent tous les mêmes prises de base. Les personnages possèdent tous les mêmes mouvements, des German suplex, des kicks, des punches, des jump kicks, des cordes à linge. Oh, est-ce que la tag, ça compte pour un move? Tout ce qui les diffère, c'est la prise de finition que vous pouvez exécuter lorsque vous attrapez la boule que votre manager vous lance. Donc, chaque personnage possède une prise de finition différente, ce qui est quand même intéressant, mais tout le reste, c'est de la merde. Les combats sont vraiment, mais vraiment très répétitifs. Et la seule chose qui change vraiment dans tout ça, c'est vos adversaires et le ring en tant que tel. Vous avez le ring de glace qui vous fait glisser par terre. Et encore, vous avez le ring électrique où vous devez pas toucher les câbles, sinon vous allez être électrocuté totalement. Il me semble qu'il aurait dû mettre un petit scénario ou quelque chose comme ça, vu que c'est sur la série. Enfin bref, touchez jamais à ce jeu. Bon, ici on a eu droit à un jeu un peu plus médiocre. Mais maintenant, enchaînons plutôt avec Tag Team Wrestling. Alors, Tag Team Wrestling fait par Data East. Il me semble que c'est vraiment banal comme nom de jeu de lutte, Tag Team Wrestling. Voyons un peu ce que ça donne. Premièrement, qu'est-ce que c'est ça? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est ça? Troisièmement, c'est bien net! C'est vraiment horrible, j'ai jamais vu rien de tel. Ok, je vais prendre une grande respiration. Puis je vais essayer d'analyser ça avec vous. Ok, tout d'abord, c'est quoi ces graphiques de merde? Les graphiques font pas un jeu normalement, mais là c'est juste abusif. Les personnages sont juste atroces et leurs mouvements sont encore plus durs à comprendre. Et le ring, oh le ring, il est tellement mal fait. Et les spectateurs, oh, on dirait juste des têtes qui ressortent du sol, rien de plus. Pour les mouvements, regardez juste ce suplex ralenti, peu importe ce que c'est. Il saute dans les airs très haut, il réatterrit à l'autre bout du ring. Aucun sens, mais vraiment aucun. Et le contrôle, c'est vraiment de la merde absolue. La seule chose que je suis capable de faire avec le bonhomme aux cheveux longs, c'est courir comme un kamikaze mongol et foncer dans mon adversaire. C'est tout. Et vous voyez l'espèce de gros lard en bas à gauche qui vous sert de partenaire? Eh bien, donnez-lui jamais l'attaque parce qu'il va tout gâcher. Hey, est-ce qu'il vient de me frapper pour faire un double team move et que je me fasse compter? Non mais quel connard! La seule chose que je suis capable de faire avec le gros lard mexicain, c'est le dropkick qui envoie la personne en bas. Et naturellement, je ne veux pas l'envoyer en bas. Tout ce que je veux, c'est de faire une prise pour le clouer au sol et le compter par la suite. Et croyez-moi, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment inutile d'envoyer quelqu'un en bas. Pourquoi? Parce que la personne se relève tout le temps trop rapidement, donc c'est impossible d'avoir une victoire par des comptes extérieurs. Et de toute façon, quand vous frappez votre adversaire en bas, eh bien vous mangez aussi des dommages, c'est vraiment ridicule. Ah oui, est-ce que je vous ai déjà dit que vous pouvez choisir aucun lutteur, vous êtes prêt avec ces deux-là tout le temps? Et d'après vous, comment ils s'appellent? Les Ricky Fighters. Non mais c'est quoi ce nom-là? Pourquoi ils ont appelé ces deux bonhommes-là les Ricky Fighters? C'est quoi le rapport? Non mais quoi encore comme nom d'équipe? Les Robert Samouraï? Les Jean-Claude Killers? Tiens, vos adversaires, les Strong Bads. Ouais, les fortement mauvais. Tout comme ce jeu-là. Là, je pense que j'ai atteint le plafond de la médiocrité. C'est vraiment terrible comme jeu de lutte. Même WWF WrestleMania était mieux, selon moi. Et même, il est marqué Arcade Hit sur la boîte. C'est impossible que ce jeu-là aille marcher sur les bornes d'arcade. C'est trop dégueulasse. Bon, une bonne chose de faite. Maintenant, on peut enchaîner avec Tecmo World Wrestling. Alors, le dernier sur la liste, Tecmo World Wrestling, fait par la compagnie, vous l'aurez deviné, Tecmo. Et je vais pas vous le cacher, c'est mon jeu de lutte préféré sur Nintendo.
Pourquoi c'est mon jeu de lutte préféré sur Nintendo? Eh bien, tout d'abord, il y a un vaste choix de 10 personnages vraiment très bien faits, avec des caractéristiques très différentes et des mouvements et des prises de finition très différentes aussi. Ok, je l'avoue, certains personnages ont la même prise de finition, mais c'est pas très grave, chaque personnage se manie très différemment. Graphiquement, regardez-moi ça, c'est vraiment très beau, les personnages sont vraiment très bien faits et les animations sont plutôt fluides. De plus, vous avez les commentaires du commentateur qui sont vraiment très drôles et très bien faits, ça donne vraiment une bonne ambiance de lutte. La musique lors des matchs est vraiment excellente, vous allez vous faire entraîner dans le combat, ça c'est sûr. Et chaque personnage possède une tonne de prises également, leur prise de finition vraiment trop cool, avec une animation vraiment incroyable. Le seul point négatif du jeu selon moi, c'est les espèces d'entraînement lorsque vous perdez. Vous devez presser rapidement sur la touche A pour gagner en puissance et ainsi devenir plus fort pour vos prochains combats. Et malheureusement, quand vous commencez, eh bien vous avez presque pas de puissance, donc vous partez désavantagé. Donc directement en partant, vous savez que votre adversaire est plus fort que vous, donc vous avez plus de risques de perdre. Selon moi, le jeu est vraiment incroyable, le meilleur jeu de lutte au Nintendo. Et j'en ai pas beaucoup parlé parce que je veux que vous l'essayiez. Vous les fans de lutte, je veux que vous l'achetez dans un pawn shop à moins de 5$, c'est vraiment jamais cher. Et essayez-le, vous allez pas être déçu, j'en suis sûr. Pour conclure, autant on va avoir un très bon jeu de lutte sur Nintendo et autant on va avoir un déchet abominable. La bonne chose avec les jeux de lutte non professionnels, c'est qu'on est moins déçu s'il est moins bon qu'un jeu de lutte professionnel comme un jeu de WWF ou de WCW. Alors, sur ce, je vous dis, aidez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, aimez-moi sur Facebook, venez sur acrodesjeux.com. Et aussi, j'ai pas oublié mes 400 abonnés, non. Alors, je vous dis, donnez-moi vos suggestions. J'ai pas vraiment d'idée de quoi faire cette fois-ci. Donnez-moi vos suggestions en commentaire, un tournoi, un review spécial, un concours, peu importe, je vais faire en sorte que ça soit possible. Il n'y a pas de mauvaises suggestions, je peux presque tout faire. On va voir ce que ça va donner. Et aussi, je vais organiser très bientôt sur acrodesjeux.com un tournoi de Mortal Kombat et un des prix, ça va être un des prix secondaires que j'offre spécialement, que j'ai eu moi-même, que j'ai acheté un petit bout de temps. Ça venait avec un vieux jeu de Mortal Kombat. C'est pas grand chose, mais je pense que c'est une belle pièce de collection ou si vous voulez le mettre dans votre chambre. Un poster original de Mortal Kombat en parfait état, vraiment très bien. Et même en arrière, vous avez une coupe de titres de beaux jeux LGN que tout le monde adore. Hein. Alors sur ce, à la prochaine, à mon prochain review, laissez-moi vos suggestions. Je vous attends sur tous mes réseaux sociaux que j'ai mis en commentaire. À la prochaine!